Parce que vaut mieux poser une question qui paraît idiote, parce que la plupart du temps on s'aperçoit que tout le monde aimerait bien avoir une réponse, mais on n'ose pas trop. Je vais leur mettre des coups sur le casque. Oui, toi tu vas en prendre un. Toi aussi tu vas en prendre un. Toi tu vas prendre un coup. Tu risques de prendre un coup. Alors pourquoi vous risquez de prendre un coup? Vite, 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 vite. Hé, trois là. Voilà. Hop tout de suite. Hop tout de suite. On le fait à deux. Stop, rapprochez-vous. Est-ce que c'est important qu'il passe entre les deux quilles? Trouver une combine pour vous
doucement, là, tu vas trop vite. Encore plus doucement, encore plus doucement, encore, encore. Pratiquement à l'arrêt, pratiquement à l'arrêt. Voilà. Oui, voilà, pas plus vite que ça, pas plus vite, pas plus vite. Allez. Avant, en même temps que tu pousses sur ta pédale vers l'avant, tu amènes ton bassin vers l'avant. Et hop, sur l'autre pied, tu le recules et tu avances. Voilà. Ouais, ça commence à venir. Ouais. Reviens vers derrière. Voilà, il faut revenir derrière, repartir devant. Revenir derrière, appuyer. Revenir derrière, appuyer. Revenir derrière, appuyer. Bien. Voilà, c'est ça. Ouais. Ça vient de ça, parce que si les racines, tu arrives à les passer en disant ça y est, que corico, j'ai le droit de la racine, il n'y a pas que la racine. Et le VTT, c'est de la racine, c'est de la bosse, c'est de la descente, c'est de la marche à monter, à descendre, c'est du dévers à monter, à descendre, c'est tout ça, du terrain. Je ne sais pas ce qu'on voit là aussi. On accompagne, s'il doit tomber, c'est moi qui vais le retenir. Et je ne vais pas le retenir pour le laisser sur son vélo. Une parade, c'est fait pour l'accompagner doucement sur le sol. C'est tout. Donc, vas-y, tu descends. Alors, ce qui est le mieux, c'est de partir d'un tout petit peu plus loin pour ne pas être obligé de clipper les pieds sur les manivelles tout de suite. Donc, vas-y, et tu vas laisser tes fesses sur la selle, hein, et puis on y va. Vas-y. Allez, roule ma poule. Il a tendance à se décaler. Parce que on lui a tellement dit qu'il fallait se mettre derrière que ça y est, c'est devenu un automatisme. Sauf que là, s'il y a plein de gros cailloux, et ben vous vous mettez en arrière, et ben vous êtes par terre parce que la roue avant, elle ne peut plus être directionnelle. Donc voilà pourquoi, là, on s'en fout qu'on passe devant derrière, mais moi, je vais leur faire passer devant pour qu'ils se préparent à un moment donné où ils auront vraiment besoin d'être devant, bah, d'être en bonne condition. Pour répondre à ta question, ici, on peut passer effectivement derrière. Mais on pourrait même passer sur une roue. Mais non, mais donc le but du jeu, c'est qu'est-ce qu'on veut faire, et il faut qu'on leur apprenne à savoir à quel moment c'est obligatoire de se décaler un petit peu sur l'arrière, et puis à quel moment c'est pas forcément utile. Et par contre, d'appuyer sur son vélo, d'être sur le freinage, ça va être indispensable. Allez. Oh. Allez. Mets tes pieds, mets tes pieds. Sur la selle, on reste au-dessus de la selle. Voilà. Hop, il est derrière, vous avez vu, hein? Ça y est, c'est tellement rentré qu'il ne peut plus s'en empêcher. Mais non, mais c'est pas grave. Donc, par contre, ça va être plus difficile que maintenant, tu arrives à retrouver cette position. Pareil, tu vois, il se lève un peu, il se remet derrière. Là, je les freins. Eh, les roues, elles doivent pas se bloquer. Ah, d'accord. Vas-y. Monsieur. Oh, si. Relâche tes freins. Alors, qu'est-ce que tu nous disais, Gilberte? Voilà. Parfait. Monte ta roue, là, et reste là-haut. Vous voyez déjà? Savoir si je suis équilibré ou pas. Donc déjà, pensez à, quand je monte, j'essaie d'avoir les deux roues qui sont en alignement. Si je suis de travers, quand je vais me reposer, ça y est, je suis en difficulté. Donc, viens. Donc il faut que mon bassin il soit vers l'avant. Voilà. Vous voyez bien que là, si mon bassin il est sur l'arrière, ça ne montera jamais.
route sur le manivelle. Eh, attends-moi. Il a les bras qui sont fléchis. Voilà, là il essaie de se dire, attends, faut pas que je monte trop parce que il est bien gentil, mais ça fait rien, c'est bien ce que ça fait. Et aussi, on va se monter une fois, deux fois, c'est pas grave. Après, quand on va s'enfuir, voilà, tends tes jambes. Oui, mais ton bassin, il est vers l'arrière. Voilà. Si le bassin, il est vers l'arrière, ça montera pas. Oui, mais t'as pas appuyé sur tes manivelles. Donc t'as le bassin qui est derrière, ramène-le vers l'avant. Là, tu vois, t'es toute fléchie, là. Ça, ça doit être tonique. Et tu restes bien régi. Il a encore un peu les jambes fléchies. Il pourrait tendre plus que ça. C'est bien, c'est bien. Pas mal, eh bien, elle est jolie. Non, non, mais c'est très bien. Oui, parce que t'as le bassin en arrière. Hé, hey, tes pieds! Donc tu vois à quoi ça sert les manivelles? Allez, on peut filer vers avant, mais c'est pas comme ça. Ah, d'accord. Voilà! Je mets ça en arrière, c'est pas mais... droit. D'accord. Oui! Cherche pas à monter! Voilà, mais c'est parfait! Cherche pas à monter, c'est le coup de frein qui fait monter. Voilà! Tends tes jambes! Non, cherche pas à monter, c'est le coup de frein. Prends une vitesse. Comme t'as le bassin qui est en arrière, ça peut pas monter. Le premier, il était bon. Essayez de voir ce qui va ou ce qui va pas. C'est déjà mieux en avant, là. Ce qui va pas, c'est blanc. Voilà. Alors, c'est pas mal, hein, au niveau... Va doucement. Là, on relâche les freins. Allez. On se met à l'extérieur. Écarte. Regardez, il a les deux bras qui sont tendus. Vous voyez, il a ramené ses épaules. Et... Alors que moi, j'étais ici. Il faut qu'on s'écarte de son vélo. Mets-toi encore plus à l'extérieur, ton bras gauche, il doit être tendu pour pousser le vélo. Donc tu as encore un peu le bras à droite qui est tendu. Non, c'est l'autre côté. Voilà. Ton coude droit. Allez, où mon coude droit? Là où tu manges ta droite. Oui, mais hey, comme tu es avec l'épaule derrière, il va falloir que tu avances ton épaule. Voilà. Donc c'est ici, là les bras, vous voyez tous ceux qui mettent les fesses en arrière, très bien. Les bras qui sont là. Côté du but là-bas. Pensez aux doigts sur les freins, pensez au bassin qui se déplace. Pensez au buisson.